J'ai un truc pour vous. Comment ça, vous avez un truc pour moi? Une feuille. Oui, ben, c'est mes feuilles de potage. Tiens, voilà le professeur. Donc, vous les amenez, Renato? Vous les amenez? On a un invité quand même, prépare. Voilà. Ça va, vous? Voilà. Il est fou. Bon. Voilà. Venez pour la réponse, vous, parce que... Il y a des invités, des fois, qui se lâchent et qui donnent ça à l'antenne. Et après, et maintenant, voici le Charlie Show. Bonjour. Oh là 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 là, bonjour à tous, il fait beau, bonjour Renato. Bonjour Monsieur Charlie. Comment ça va Renato? Bah, écoutez bien. Parce que hier quand même cette émission avec que du rugby, hein, ça nous a fait un bien, mais ça nous... À vous peut-être, mais... Bon, ça, c'était comme ça, il y avait une finale de Coupe de France hier dans l'émission, on a fait avec, nous ça nous a reposé, aujourd'hui on a l'impression de redémarrer qu'on est lundi. Hein, on a l'impression, hein, on a fait un petit peu le pont, un petit peu. Bon, c'est pas grave. Nous aurons, comme chaque jour, pas mal de choses jusqu'à 18h dans Charlie Show, notamment un invité tout à l'heure à 17h45, Gustave Parking. Nous aurons également tout à l'heure le tipotage, appelez dès maintenant le 0803 020 030 pour faire tomber le panier garni. Inscrivez-vous, c'est parti. Le kiki s'y colle, une histoire drôle, tout à l'heure à vous de la raconter en direct. C'est à, là aussi, 17h35, 0803 020 030. Et les deux cabines d'aujourd'hui. Alors la toute première va sonner du côté de Onna dans l'Aude, place de la mairie. Elles te feront de blancs manteaux, c'est le mot de passe qu'il faudra te donner. Et ensuite nous irons dans l'Ariège, à Alia, dans le village. Mot de passe, cigarette, whisky et petite épée. Mais souvenez-vous. Les neiges du Kilimandjaro. Elles te feront un blanc manteau où tu pourras dormir. Les sangs, la plage romantique. Je veux t'aimer à mon idée. Tu en auras porté des seaux, ils étaient lourds, ils pesaient trop. À la rivière coule tant d'eau qu'elle fait des rides sur ta peau. Mamina, mamina. Il n'a pas amené sa mamina, Pascal Danel, bonjour. Bonjour. Bonjour d'être avec nous dans le studio et surtout dans le Charlie Show jusqu'à à peu près 17h15, vous nous accompagnez. Comment ça se fait que vous êtes par là, vous, aujourd'hui? Ben, j'étais sur l'autoroute, j'ai fait un petit coup d'autoroute avec une petite bagnole qu'on a louée. Oui. Alors, on m'a dit que vous étiez tombé en panne. Bah oui, non, mais c'était parce que c'est le week-end. Donc, il y a peut-être des gens qui ont vu sur le bord de l'autoroute un monsieur avec un t-shirt blanc qui ne se sont pas rendus compte, c'était Pascal Danet. Oui, oui, mais s'ils se sont rendus compte, puisqu'il y en a qui nous ont amenés jusque-là quand même. Donc, ah oui, parfait. Bon. Oui, sympa. Ils vous ont connu. Oui, très sympa. Alors, vous aviez une voiture de location de 27 km. Voilà, maintenant, il y en a toujours 27. Elle est arrêtée en bordure de route entre Montpellier et Toulouse. Mais c'est pas grave, on va changer le moteur, c'est bon. On est très content de vous accueillir donc dans le Charlie Show, Pascal Danel, puisqu'il y a un nouvel album sorti il y a quelques temps, en avril, qui s'appelle Je voulais simplement te dire. Oui, tout à fait. Oui. Et avec quelques singles qui vont sortir d'ici là. Vous êtes en tournée, vous venez de faire le Cirque d'hiver au mois de mai. Oui, c'était superbe d'ailleurs, formidable. J'ai un souvenir enfin un souvenir, c'est pas vieux quoi. Mais on a passé 3-4 jours formidables. Ouais. Alors comment ça va pour vous? Bah, très bien, bien, impeccable. Parce qu'on se demande, regardez-moi, moi jeune, oui. Jeune. Hein, oui, oui, oui. Ouais, ces choses-là, vous les avez chantées, qu'on a entendues tout de suite, j'étais pas né encore, oui, hein, ou je naissais, ou à peine. Tout petit. On les chante encore. On les chante encore, ça me fait énormément plaisir, et je sais pas pourquoi d'ailleurs, mais enfin, c'est vrai que, disons les deux premières, la plage, là, et Kilimandjaro, ont fait le tour du monde depuis, continue. Ben, c'est bien, c'est une aubaine, quoi, c'était pas prévu, hein, c'est vraiment un hasard, mais tant mieux. Voilà, Pascal Danel avec nous jusqu'à 17h15, il jouera au tipotage, il fera les cabines, il fera un peu tout, le ménage aussi. 0803 020 030, dans quelques instants, on joue. I heard you on the wireless back in 52, lying awake intently tuning in on you. If I was young, it didn't stop you coming through. They took the credit for your second symphony. Rewritten by machine.
le tipotage de Sud Radio. Tipotons-nous avec Charlie. Pascal Danel, est-ce que vous vous êtes déjà tipoté? Oh bah certainement, ouais, sans le savoir peut-être. Ouais. Sans le savoir. Ouais, c'est possible. Sachez quand même que c'est un objet à découvrir au 0803 020 030, que le tipotage n'a pas de rapport avec les animaux. Ce n'est pas un végétal, il ne sert pas à téléphoner, sa consistance est molle. Le tipotage ne sert pas à faire la vaisselle, il n'est pas en vinyle. Le tipotage ne possède pas de roues et ne roule pas. Un couple peut s'en servir, le tipotage est du genre masculin. On ne trouve pas le tipotage à l'intérieur. Qu'à l'extérieur, on le trouve à l'extérieur d'une maison. Le tipotage ne possède pas de matière plastique, il ne flotte pas et ne se trouve pas sur l'herbe. On peut jouer avec le tipotage, mais pas sauter dessus. Ce n'est pas une laisse de chien, ni un parasol, ni un préservatif, et encore moins un trampoline, même pas un ballon de foot. Dans le panier garni, il y a une montre Sud Radio, un CD de Patricia Cass, un CD de Chola Hama, une préparation pour cookies, des mini berlingots pour lait Nestlé, un sachet de croûtons pour salade, une boîte d'olives pimentées, deux bougies d'allumage. On a un petit budget, hein, Pascal Danel. Je remarque. Et un lot de patins adhésifs pour chaises. 0803 020 030, le tipotage en quelques instants. Avec Pascal Danel, vous allez pouvoir jouer et discuter avec lui. Charlie, chaud, très chaud, sur Sud Radio. Avec Carrefour, allez la gauche! Oui, allez les Bleus! Alors tous avec eux pour vivre leur nouvelle aventure. Et pour encourager les Bleus, chez Carrefour jusqu'au 10 juin, le t-shirt du supporter est à 38,70 francs. Oui, 38,70 francs, le t-shirt du supporter 100% coton de la taille 2 à 5. Alors tous ensemble, allez les Bleus! C'est ça aussi avec Carrefour Jeux Positives. Retrouvons le bulletin météo Rover avec Isabelle. Isabelle ? Oui, et bien du 2 au 30 juin, l'offre spéciale Rover 25 Twickenham à partir de 79 200 francs va faire monter la température avec une liste d'équipements de série caniculaires. Autoradio CD, jantes alliage, ABS pour 79 200 francs. Sans doute l'offre la plus brillante de l'été. Ah, d'ailleurs, il commence à faire chaud. Thierry, il y a aussi l'air conditionné. Ah, une Rover 25 à ce prix-là, on respire. Prix de la Rover 25 Twickenham 1 litre 4, 3 portes à M2000 chez les concessionnaires participants. Garantie 3 ans ou 100 000 km au premier des terres méchues. À 20 km au sud de Perpignan, Collioure et Argelès-sur-Mer présentent le Festival de folklore catalan. En avril et mai, les deux stations vous invitent chaque week-end à découvrir leur printemps en duo. Des plages propres, un pavillon bleu garantissant la qualité des eaux de baignade, des animations authentiques, tout ce qu'il faut pour goûter à la douceur de vivre catalane. Pour tout renseignement, contactez les offices du tourisme d'Argelès-sur-Mer ou de Collioure. Le tipotage de Sud Radio. Tipotons-nous avec Charlie. Et exceptionnellement, cette fin de semaine avec Pascal Danel, vous pouvez nous appeler au 0803 020 030 pour jouer très rapidement. Vous appelez et on vous rappelle comme vous voulez. Donc pensez-y. Avec Pascal, tout de suite, on va tipoter. Hein, vous allez vous tenter dans le tipotage? Ouais, ça va nous faire du bien. Bon, ça va. Oh, oui, je sais pas si ça va nous faire du bien. Renato, vous êtes prêt pour tipoter? Toujours. Faites attention, vous avez quelqu'un qui peut tipoter derrière vous, Renato. Hein, on sait jamais. Bonjour Michel. Oui, bonjour. Voilà, alors je vous appelle pour le tipotage. Oui, oui, Michel, vous avez 50 ans. Oui, un petit peu plus. Donc forcément. Oui. Forcément, oui. Vous connaissez Pascal Danel. Bah forcément, oui. Alors là, tout à fait. Sur quoi vous avez dansé, vous? Ben, les neiges du Kilimanjaro. Qui depuis ont fondu largement. À ce moment-là, disons que les filles ne restaient pas dans leur coin, là. Au moins, on les sortait. Ah bon? Voilà, oui. On vous le dit souvent, ça, Pascal Danel. Oui, il y en a beaucoup qui me disent j'ai dragué beaucoup sur vos chansons. Ouais. Alors, moi, donc, c'est dragué, ça va? Oui, non, je leur réponds, moi aussi. Ça les étonne. On a un peu le même âge, Pascal Danel. Oui, oui, tout à fait. Oui. Enfin, on a un petit peu plus de 50, voilà. Ouais. Ah oui, voilà, vous fait moi, c'est pareil, 54. Ouais. Et moi, j'ai un petit peu plus encore. Un petit peu plus encore. Mais peut-être un petit peu plus, mais on ne le dira pas. Allez. Non, non, oh, bah, c'est pas grave. Non, c'est allez, pas grave. 56. 56, Pascal Danel. Ouais. Vous voyez, comme quoi, c'est pas mal déjà. On avait 18 ans quand. On écoutait vos formidables chansons. Merci beaucoup. Et très heureux de les réécouter encore aujourd'hui et on peut encore leur souhaiter bon vent et on s'aperçoit qu'elles n'ont pas plus une ride, disons. Hein. C'est très gentil. Mais surtout, voilà. faut découvrir les nouvelles chansons maintenant. Parce qu'il y a et alors là, on ne manquera pas. Voilà, c'est sorti, ça s'appelle « Je voulais simplement te dire », on en parlera tout à l'heure, on écoutera d'ailleurs un premier extrait dans quelques oui, minutes. On écoutera, oui. Michel, on va peut-être y aller pour une première question. Oui. Allez. Alors, est-ce que le tipotage fait partie intégrante d'une voiture? Est-ce que le tipotage fait partie intégrante d'une voiture, Pascal Danel? Je suis bien placé pour vous le dire. Rien à voir avec la voiture. Rien avec une voiture. Je suis désolé, Michel. On peut même pas rajouter quelque chose dans le panier garni.
Ben alors tant pis, j'ai été très heureux de communiquer avec Pascal Danel. Voilà, c'est bon, on pourra lui rajouter un disque, on lui fera parvenir un disque. On lui fera parvenir, voilà. Eh ben ne quittez pas, ça, on prend moi, vos ça. Coordonnées, on vous enverra un disque. Allez, de Pascal Danel. À bientôt, merci et Michel. Je vous remercie. Merci. Au revoir. Allez, au revoir, bonne journée. Place de trait qui pique ton cœur, Caroline. Caroline. Oui, oh, bonjour Charlie, bonjour Renato. Que vois-je, bonjour. Caroline, 22 ans et déjà mère au foyer. Tout à fait. Mais de combien de foyers? Une petite fille seulement. Bon, je vous présente Pascal Danel. Bonjour. Oui. Bonjour. Vous connaissez? Non, pas du tout. Pas du tout. Ah oui, ah, oui. Ah, oui. Du Kilimanjaro. Ah oui, entre Michel, 50 ans, et Caroline, 22 ans, forcément, il y a un décalage. Oui, tout à fait. Mais les neiges du Kilimanjaro, quand même. Oui. Ah. Voilà, bah voilà. On vous voit à la télé maintenant, on vous revoit depuis quelques temps. Ah bah oui, puis on va faire d'autres choses, on va faire d'autres télés importantes, on va faire le 18 juin, c'est le jour de l'appel, alors on va faire Drucker. Ah oui, il vous a invité. Un grand appel, oui, adorable. On va faire beaucoup de télé, oui. Beaucoup de télé. Donc les années nostalgie sont de retour, avec le nouveau disque aussi, un petit mélange. On est obligé de faire un petit medley des vieilles chansons, enfin ce que j'appelle les vieilles chansons, les chansons anciennes de l'époque. Et puis les nouvelles. Voilà. Alors attention Caroline, vous faites quoi donc à part mère au foyer? C'est tout que ça? Tout à fait. Et vous habitez où? À Mont-Lor, c'est un petit village près de Toulouse. Bon, alors Caroline, allons-y pour la question. Oui, je voudrais savoir si le tipotage, on peut le tenir dans la même. Oh non. Ah, ça dépend. Oh non. Dans les deux? Dans les deux mains, oui, mais c'est pas terrible pour tenir de... Moi je dirais oui. Moi. Ah bon, Pascal Danel, Renato, vous en pensez quoi vous? Vous dites qu'on partage. Moi je dis tout comme l'invité. Ah bon, très bien, comme l'invité. Bon, on dit oui alors. Je dis dans les deux mains. Dans une seule main, pas facile, mais dans les deux mains, je veux bien. Ah, d'accord, non, moi je pensais à des raquettes. Hein. À des raquettes. Ouais. Bravo. On écoute. Eh ben c'est perdu là. Eh oui, c'est perdu. Un pot de crème Mont-Blanc à rajouter dans notre panier garni. Merci, à bientôt Caroline. Merci, au revoir. Bon, on a un petit peu avancé. Prochain rendez-vous avec le tipotage d'ici une petite demi-heure. 0803 020 030. Vous pouvez dès maintenant vous inscrire. Pensez-y. Et on jouera toujours avec Pascal Danel. Dans quelques minutes, une cabine va sonner à Ona. Et oui, place de la mairie dans l'Aude, elles te feront de blancs manteaux. Tout de suite, on continue en musique avec My Heart Goes Boom. French Affair. On vous trouve. I'm walking down the street and my heart goes boom. In a minute we will meet and my heart goes boom. When we are together I want love forever. I'm walking down the street and my heart goes boom, boom, boom. And my heart goes boom. Just
Oh là là, ce genre de musique, Pascal Danel, ça vous accroche ou... Ah bah, complètement, oui. C'est les paroles que je comprends moins, mais la musique, j'aime bien. Alors, un nouvel album, ça s'appelle « Je voulais simplement te dire », sorti au mois d'avril. Donc là, on va s'échapper un petit peu des neiges du Kilimandjaro. Vous avez mis combien de temps à l'écrire cet album? Bah, les 20 ans qui ont séparé. On vous a pas vu. Oui, j'exagère, mais c'est vrai un petit peu, parce que c'est une réflexion. Ouais. Et puis je me disais, est-ce que je referai, est-ce que je referai pas, je savais pas trop. Et puis tout ce qu'on écrit à un moment donné, c'est ce qu'on a condensé un peu dans son cerveau. Moi, j'ai un tout petit cerveau, mais il faut du temps pour... Vous l'avez écrit tout seul? Non, j'ai écrit avec des copains avec qui j'ai fait les textes à deux, ou eux tout seuls. Moi, les musiques, oui, j'ai fait toutes les musiques. Oui. C'est un album très perso, des textes très personnels, très liés à votre vie. Je voulais simplement te dire, j'ai dit je vais peut-être un peu dévoiler quelques trucs, parce que finalement je rigole comme ça, mais... J'ai beaucoup de pudeur et j'aime pas trop raconter les choses, mais là j'en ai lâché deux, trois quand même. On va l'écouter, je voulais simplement te dire, c'est le titre de l'album de Pascal Danel. Quitter Mykonos sur le voilier d'un marchand d'épices et de thé. M'éveiller sur des plages d'oreilles, dans le silence et la clarté de l'Orient, brûler du papier d'Arménie sur la place rouge endormie avant remonter le fleuve Sénégal. Il sait bien où toutes les voies avant. Mais avant de partir pour ce voyage au fond, me faire des souvenirs, moi je voulais surtout, je voulais simplement te dire tu reviens avant que la nuit vienne. Voir le Grand Canyon, le sable blanc, la mer de Chine, les éléphants. M'endormir près des femmes voilées dans la chaleur douce et sacrée de l'encens, accoudé au comptoir humide d'un petit bar d'Adélaïde avant réciter Musset la martyre à des marins qui vont se plaire. Mais avant de partir pour ce voyage fou, me faire des souvenirs, moi je voulais surtout, je voulais simplement te dire qu'il faut que tu reviennes avant.
Pascal Danel, je voulais simplement te dire, Pascal Danel avec nous jusqu'à à peu près 17h15 si vous voulez nous suivre, et avec le Charlie Show toujours, des musiciens exceptionnels dans votre groupe des gens qui ont joué avec Jean-Jacques Goldman, Pascal Obispo, Alain Souchon, des très bons musiciens. Comment vous les connaissiez tous ces gens-là? Je les connais depuis longtemps. Répondez, ça sonne, allez-y. Ça sonne, c'est pas chez nous. Dans quelques instants on va retrouver Pascal Danel, notre invité exceptionnel jusqu'à 17h15, et une petite page de pub tout de suite et un canular juste après. Charlie, l'animateur fou sur Sud Radio. Les freins, il vaut mieux les contrôler avant. Bon, on le fait ce constat? Qu'après? Du 30 mai au 30 juin, contrôle gratuit de vos freins dans les garages Bosch Freinage. C'est dans toute la France. Liste des adresses au 0800 121 122, appel gratuit. Venez vite chez votre garagiste Bosch Freinage, vous avez tout à y gagner. La sécurité, bien sûr, mais aussi 5500 cadeaux, dont 200 piscines gonflables. Contrôle gratuit de vos freins dans les garages Bosch Freinage. 0800 121 122. Bosch, ça me rassure. La Bavière en Midi-Pyrénées. Du 27 mai au 10 juin, rendez-vous avec la Bavière. Une rencontre riche en échanges culturels, expositions, concerts, théâtres, danses, auxquels le Conseil régional de Midi-Pyrénées vous invite. Le 4 juin, à Saint-Pierre-des-Cuisines à Toulouse, concert baroque, dans la tradition de la cour du royaume de Bavière au XVIIIe siècle, interprété par la Neue Hofkapelle de Munich, sous la direction de Christophe Hammer. Invitation à retirer à Sud Radio. Lundi prochain, entre 10h et 12h, en direct du parc à thème Universal Studio Port Aventura, Louis Benedi vous fera découvrir la Polynésie. Universal Studio Port Aventura, c'est une autre histoire. Le parc d'Universal Studio en Europe, à une heure de Barcelone. Alain Parayous vous présente son livre « Les collines de la Canteloube » paru aux éditions Oberon. Venez rencontrer l'auteur ce samedi 3 juin à partir de 10h à la librairie Mikos à Condon pour une séance de dédicace. Renseignements 05 62 28 02 55. Les folies de Charlie. Allô? Boum, Pascal Danel, vous êtes du genre à faire des canulars au téléphone, vous? Je n'arrête pas. Non. Je n'arrête pas. Bon, à part pas. Le fait que ça sonne là, au moment où on parle des canulars, super quoi. Genre, allô, monsieur Lapin, Pan, t'es mort. C'est super drôle. Non. Ah là là, il n'y a que moi qui rigole. Je vais noter, j'ai jamais fait celui-là. Allô, monsieur Lapin, Pan, t'es mort. Parce que j'ai eu madame Bonichon la semaine dernière, je vais la passer la semaine prochaine. Je la connais. Ah bon? Enfin, je l'ai vu passer plusieurs fois. Ah oui, mais moi, c'était une cave coopérative laitière ah, qui l'a pardon. Appelée. Donc, on va voir. Monique Alemski, ça vous dit quelque chose? En tournée en France très prochainement, puisqu'on a trouvé un autre endroit qui s'appelle la Maison Blanche. C'est très loin, mais vous allez voir, on va venir. Mairie de Romanèche, bonjour. Ouais, bonjour madame, je m'excuse de vous déranger. Je vous en prie. Voilà, je me permets de vous appeler de l'ambassade des États-Unis à Paris. Oui. Voilà, je suis monsieur Jackson, je suis aux relations extérieures pour l'ambassade. Oui. Voilà, et nous avons appris qu'un quartier de votre village... Oui. Se nommait la Maison Blanche. Oui, on a un lieu dit qui s'appelle la Maison Blanche, oui. Voilà. Oui. Eh bien, voilà, nous vous avons appris par nos services de sécurité que mademoiselle Monique Alinsky doit venir en France prochainement. Oui. Et que dans le but de faire un peu de médias et médiatiser son livre qui est sorti il y a quelques jours. Oui. Que dans sa partie en France, elle doit venir à Paris, elle doit aller sur la Côte d'Azur. Oui. Et qu'entre-temps, elle s'arrêterait dans votre village. Ah, d'accord. Mais voilà, ça c'est apparemment pour l'instant qu'une rumeur. Mm-hmm. Mais nous, en tant que responsables des relations de l'ambassade, oui. Nous ne serions pas intéressés pour que Mlle Monika Wolinski s'arrête dans votre mairie ou lieu-dit. Est-ce que vous pourriez éviter qu'elle passe? Parce que je pense que c'est ces services qui vont prendre contact avec vous, sûrement. Alors, vous souhaitez quoi de votre côté? Je comprends pas très bien. C'est-à-dire que nous, au niveau de l'ambassade, on tient pas à ce que Monika Lewinsky refasse encore parler pour la Maison Blanche. Alors, au niveau de l'ambassade, vous ne souhaitez pas qu'elle s'arrête sur la Maison Blanche? Non. Pour quelle raison? Bah, pour une question d'image vis-à-vis du président. D'accord. Bon, alors, en clair, nous, étant en tant que commune, on peut effectivement ne pas autoriser certaines choses, mais on n'a pas forcément le droit non plus d'interdire aux gens de s'arrêter sur la commune. Oui, mais vous pourriez faire ça quand même pour nous, l'ambassade.
Bah, écoutez, pour vous, ambassade ou non, il y a des choses légalement qu'on aura le droit de faire et d'autres pas. Donc moi, je vais transmettre, de mon côté, là, je vais transmettre le message à monsieur le maire. Oui. Hein, pour ce qui est du reste, bon, je sais pas du tout si effectivement on sera contacté à ce niveau-là. Pour l'instant, on n'a pas du tout été contacté. Bon, là, il est gentil, mais à 17h30, il y a un vibromasseur qu'il faudra reprendre, et là, le magasin, ils sont pas du tout d'accord. Mais bon, on verra ça. Je crois que je vais me faire engueuler, en plus. Allez, dans quelques instants, c'est une cabine qui va sonner du côté de Lourdes, à Ona, place de la mairie. C'est Pascal Danel qui la fera sonner, la cabine, et le mot de passe, elles te feront de blanc manteau. J'ai fait plein de choses, notamment de la télé. Oui, plein de trucs. Comme quoi, comme producteur. Comme producteur, un petit peu animateur, mais j'ai très vite arrêté parce que c'est pas mon truc. Je me voyais pas faire ça sérieusement. Mmh. Mais comme producteur, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai fait Cadence 3, ensuite une émission qui s'appelait Macadam. Ouais. Qui était pendant des années. Alors c'est une très bonne question. Parce que je me rappelle pas l'heure de cette émission. Moi non plus, je vais vous dire pourquoi. Ça bougeait tout le temps. Voilà. Il me semble bien que je suis incapable de savoir à quelle heure ça passait. Même le jour, hein, c'est passé les. Il n'y a que lundi matin qu'on n'a pas eu. Ah bon. Pourquoi c'était genre émission bouche-trou ou Ben non, mais enfin, c'était très difficile de se battre avec la chaîne là-dessus parce que ils voyaient ça à des horaires que je ne sentais pas moi. Et puis, on a changé 3-4 fois, mais sans rigolade, ça marchait très bien. Très bien. Ah oui. Très bien. Mais on ne savait pas que c'était Pascal Danel qui était derrière. Non, bah parce que j'étais derrière. Oui, justement. Il était derrière. On ne voyait pas. Bon, voilà. C'est pas grave. On tipote dans quelques instants. Deuxième rendez-vous, 0803-020-030, le tipotage avec Pascal Danel. Charlie, chaud. Très chaud sur Sud Radio. Mystérieux. Lumineux. Envoûtant. Initiez-vous à la beauté secrète du Maroc. Yves Rocher vous invite à partager les secrets de beauté des femmes du désert. Magie des couleurs, secrets des matières, une initiation troublante et sensuelle. Une découverte tout en douceur avec par exemple le crayon cool luminel ou le tatouage cheveux à 10 francs seulement. Mystérieux. Lumineux. Envoûtant. Le Maroc s'invite jusqu'au 11 juin dans tous les centres de beauté Yves Rocher. Chez Intermarché, c'est le métier qui parle. Salut, c'est Klein. En matière de vin, le métier d'Intermarché, il est simple. C'est d'être à l'affût des bons petits crus et de vous les faire découvrir. Aujourd'hui, le vin de Pays du Var, rosé, la bouteille de 75 centilitres, 5 francs 95 jusqu'à demain dans les Intermarchés et les Écomarchés. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Vous pensez à l'été ? Abrisud pense à vous toute l'année. Avec Abrisud, les abris de piscine amovibles. Qu'importe les saisons, ma piscine, j'en profite. Catalogue gratuit au numéro Azur 0810-632-632. Abrisud, présent à la foire de Bordeaux. Cette semaine, dans la vie financière, un dossier spécial retraite. Combien toucherez-vous dans 10 ou 15 ans ? La vie financière vous aide à calculer votre future retraite selon votre âge et votre secteur d'activité. Dans la vie financière, tous les produits existants pour compléter votre retraite, leurs avantages et leurs inconvénients. La vie financière spéciale retraite, 25 francs. Ah mais dis donc, t'as une tête ? T'as l'air crevé, toi. Oh, oula, c'est comme ton pneu, regarde, il est à plat. Oh non. Enfin, remarque, pour mon pneu, c'est pas grave, j'ai MMA. MMA ? Les Mutuelles Dimon Assurance, MMA. Et avec leur offre Maxi Service, je sais qu'en cas de panne, de crevaison ou de perte de mes clés, ils peuvent me dépanner même en bas de chez moi. Et justement, là, j'y suis en bas de chez moi. Alors tu vois, rien que d'y penser, contrairement à mon pneu, je suis plus crevée du tout, moi. Zéro tracas, zéro blabla. MMA, c'est le bonheur assuré. MMA. Aujourd'hui dans le monde, 1600 enfants vont contracter le virus du sida. Pour stopper l'épidémie, la solution c'est le vaccin. Et pour que les chercheurs aboutissent au plus vite, il leur faut plus de moyens, maintenant. Avec votre aide, tout est possible. Alors donnez dès aujourd'hui et demain nous vaincrons le sida. Appelez vite le 0810 70 2000, le 0810 70 2000. Merci. Sud Radio, Sud Radio. Approche-toi de moi, mon beau bimbo,
moi. Je promets que tu ne le regretteras pas. Je t'avais aperçu, c'est pas très difficile. Comme tu parles ici, on n'a pas 36 000. Bimbo à moi. Bimbo à moi. J'ai rarement vu une créature, mais quelle allure. J'adore ta chevelure, sans parler de ta carrure. Si tu continues à bouger comme tu bouges, tes hanches me mènent au sang, je finirai toute rouge. Bimbo à moi. Bimbo à moi. Est-ce qu'on se lovera? Seras-tu ma foi? Qui sera? Un petit peu de moi. Et oui, je te drague, mais je ne m'arrête pas. Si tu continues à danser comme tu danses, t'auras toutes les disquettes de la piste de transe. Bimbo à moi. Bimbo à moi. Est-ce qu'on se lovera? Seras-tu ma foi? Qui saura? Comme tu préfères, parler pendant des heures, même t'offrir des fleurs. Mais que faire pour avoir ton numéro au téléphone? Je dire à ta maman qui répond quand je sonne. Bimbo à moi. Bimbo à moi. Si tu continues à mouver comme tu mouves, faudra bien que tu prouves ton nom, Mr. Groove. Pourquoi pas faire un tour dans ma bagnole à moi? Il faut juste qu'on s'arrête pour acheter du c'est quoi. Bimbo à moi. Bimbo à moi. Mais est-ce qu'on se lovera? Seras-tu ma foi? Et est-ce qu'on se rappellera? Le tipotage de Sud Radio. Tipotons-nous avec Charlie. Le tipotage avec un invité exceptionnel aujourd'hui dans le Charlie Show, Pascal Danel. Pascal Danel qui est avec nous encore pour une bonne demi-heure, qui va repartir sur les routes avec un nouveau disque. Avec un nouveau disque et une bagnole qui marche. Et une voiture qui marche, est arrivée en panne. Je suis venu avec un nouveau disque, mais avec une bagnole, voilà, qui marche. Donc on va oublier un petit peu les neiges du Kilimanjaro, malgré que tout le monde les réclame, hein, sans problème. Oui. C'est pas pénible de toujours rechanter ce genre de chansons? Parce que bon, c'est sûr que les gens le demandent, mais... La rechanter sur scène lors des concerts et tout, non, c'est agréable. D'abord, pour deux raisons. La première, c'est qu'on fait plaisir aux gens puisqu'ils la demandent. La deuxième, c'est les neiges du Kilimanjaro. Oh, Renato, vous avez été conçu sur les neiges du Kilimanjaro ou quoi? Hein? Mais c'était il y a longtemps, vous aussi. Hein? Oh là là là. La deuxième raison, disais-je, c'est que je la chante pas. C'est les gens qui la chantent, ça c'est agréable. Ah oui, c'est bien, c'est comme Patrick Bruel. Alors. Voilà, tout à fait, avec quelques années d'avance. Vous avez gagné de l'argent avec ces chansons? Ouais, ouais, ouais. Bon, et encore maintenant? Ouais, peut-être autant maintenant. Ouais. Ah ouais, toujours. Ouais, donc ouais. Finalement, il faut faire un tube dans sa vie. Et un ou deux ou trois, si possible, ouais, ouais, c'est bien. Et, ouais. Et on travaille moins? Non, 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 je crois pas. Je crois pas. Ce qui tombe au droit d'auteur, c'est bien, quoi. Puis, ouais. C'est super, mais je crois qu'on a toujours envie de faire d'autres choses, quand même. Bon, on tipote, Pascal? Ah ben, chiche. Allez, on tipote tout de suite avec Christian, qui nous appelle de Bordeaux. Bonsoir, Christian. Bonsoir, Charlie. Bonsoir, toute l'équipe. Christian, il a une voix de pianiste. Ouais, il a une voix de pianiste. Ah, oui. Ah, ça se sent. Christian, vous êtes pianiste? Oui, enfin, je suis amateur, hein, je suis pas professeur. Ah. Bonjour, bonsoir, monsieur Danel. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, Christian, pardon. Mais dites-moi, je voulais vous poser une petite question. La plage romantique, c'était pas en 66? La plage romantique, oui, 66, oui. Ah, voilà, ouais. Ça nous rajeunit? Ça vous fait des souvenirs, hein, Christian? Ah, ben moi, j'étais pas né en 66, voilà. Je suis en 67. Ah, oh, ben voilà, voilà, ben voilà. Et comme oui. quoi. Et en tant que pianiste, vous jouez du Pascal Danel de temps en temps? Ah oui, la plage romantique, c'est la chanson préférée de ma sœur. Du Kilimanjaro. Oui, oui. Il paraît que vous êtes imitateur aussi, Christian.
Oui, je suis déjà passé sur Sud Radio, que j'écoute régulièrement d'ailleurs. Non, qu'est-ce que vous pourriez nous faire comme imitation? Claude François. Claude François. Oh, ben tiens, voilà. Allez, Claude François. Claude François déjà. À tout hasard. Allez, 10 secondes. Je le fais à capella parce que j'ai pas de bon instru, je peux pas. Yeah. Cette année-là, oui, je chantais pour la première fois. Le public ne me connaissait pas. Quelle année cette année-là? Stop! Voilà, merci Christian. Ouais, voilà, les imitateurs. On sent l'écho Christian de la salle de bain, là. Attention. Oui. Bon, je vais redonner quelques détails quand même sur le tipotage. On n'est pas là pour s'amuser non plus. Avec savoir que ce tipotage a une consistance molle. On l'a dit tout à l'heure et on peut le tenir à deux mains. Mais bon, c'est pas trop facile. Il ne flotte pas et ne se trouve pas sur l'herbe. Il y a un panier garni, bien garni, une montre Sud Radio, un CD de Patricia Cass, un CD de Cholama, une préparation pour cookies, des mini berlingots de lait Nestlé, un sachet de croûtons pour salade, une boîte d'olives pimentées, deux bougies d'allumage, un lot de patins adhésifs pour chaises et un pot de crème Mont Blanc. Et je peux vous promettre, Pascal, que tout le monde reçoit ça. Ils reçoivent le paquet. C'est vrai, et si j'ai gagné, je l'emmène, moi. Ah oui, là, on doit être à peu près, depuis le début de saison, 60 gagnants, à peu près. Ils doivent être dans un drôle d'état, les croutons. Non, mais c'est avec la date. Christian, alors, une petite question. Mais écoutez, vous avez parlé que les enfants pouvaient s'amuser avec. Est-ce que le tipotage est en plastique gonflable? Non, le tipotage n'est pas en plastique gonflable. Ça, je peux vous le dire et vous le faire confirmer par Pascal Ganel. Oui, c'est vrai, mais il n'est pas loin du plastique gonflable. Non, on ne donne pas de précision parce qu'autrement, c'est trop court après. Il n'y a pas le choc. Il est quand même pas loin. Hein. Ah non, dites pas, vous faites comme Renato. Il dit qu'il y a une laisse des fois. Merci Christian, et à bientôt. J'écoute l'émission avec Michel Drucker, formidable, magnifique. Et puis, j'écouterai donc avec beaucoup d'attention. Quand vous passez chez Michel Drucker? Le 18 juin. Donc, avec Michel Drucker. Ouais. Fête des pères et le jour de l'appel. Bon. Mes amitiés à tout le monde. À bientôt, merci Christian. Au revoir. Christian, au revoir. Du côté de la Haute-Garonne, nous accueillons Elena. Bonsoir Elena. Bonsoir Charlie et bonsoir à Pascal Danel. Bonsoir Elena. Les neiges du Kilimo. Et je vous promets que c'est pas lui qui chante là, comme ça, c'est un disque qu'on envoie. Parce que si vous imaginez que si dans la vie, chaque fois qu'on lui dit ça, il a une espèce de recul. Elena, vous connaissiez ou vous avez dansé? Oui, je connais de très belles chansons qu'il a. Qu'il a chanté. Merci beaucoup. Vous êtes toute jeune pourtant, non? Eh oui, mais j'aime beaucoup la variété française, pas de notre époque. Bon, c'est bien. Continue. Du genre quoi, par exemple? Je vous promets, dans quelques instants, on écoute une nouvelle chanson du dernier album de Pascal Danel. Ah, vous êtes où dans la Haute-Garonne, Elena? Au Pemmes-Murelet. Oui, c'est bien, on n'ira pas. Hein. Et vous recherchez un emploi? Je suis à la recherche d'un emploi. Oui, quoi? Dans quel domaine? Dans le câblage aéronautique. Dites donc, vous ne trouvez pas sur la région de Toulouse du câblage aéronautique? Si, il y en a. Hein. Ah ben, il y en a. Il y en a, oui. En intérim. Il me semble qu'on a eu une auditrice qui faisait ça l'autre jour. Ah oui, j'ai entendu, oui. Eh ben voilà, c'est pour ça que je vous dis, il y en a du boulot. Mais vous voulez câbler toute la journée? 8 heures par jour, ça suffira. Oh là là, ça peut être drôle, ça. Hein, à dérouler du câble? Oh, à dérouler du câble ça toute la journée? Il faut avoir des grosses mains. Elena, une question. Alors, est-ce qu'on peut faire voler le tipotage? Non. Ça, c'est sûr et confirmé. Ah bah moi, je suis pas d'accord, moi. Non, mais parce que vous n'allez pas nous dire qu'on peut faire voler le tipotage. Si on le lance en l'air... Vous avez déjà lancé ce tipotage en l'air, vous? Bah, on peut. Bon, bah, attention aux yeux. Je vous parle moins, déjà. Hein. Attention aux yeux, par contre. Un peu bizarre comme garçon. Non. Non, je dis non, Elena. Je suis désolé. Et puis, si on a un petit boulot de câblage, n'hésitons pas. On va peut-être refaire les studios, nous, cet été. Hein, des fois qu'ils aient besoin de câbleuses. Donc, il n'y a pas de problème. Mais nous, on n'a pas d'aéronautisme. À bientôt, merci, au revoir. Au revoir, Elena. Nous allons nous arrêter sur le dernier album de Pascal Danel avec un nouveau titre. Alors, qui s'appelle comment, Pascal? Les filles de l'hiver, non? C'est ça. Oui, c'est ça, les filles de l'hiver, qui va sortir en single. En plein été. En plein été. C'est pour rafraîchir. Et là, c'est un titre plus salsa. Oui, c'est un peu salsa, mais c'est le genre de musique que je n'ai pas trop écrit dans ma vie. Mais là, j'avais envie de le faire, ça m'a fait plaisir, parce que j'aime beaucoup ça chez les autres. J'ai dit, je vais en faire une moi-même, mais je l'ai faite, on a fait ce qu'on a pu, je crois qu'elle est pas mal. Les filles de l'hiver, ce sera peut-être le tube de l'été. Pascal Danel. J'aime les filles en automne, sous leur manteau de pluie. Les rendez-vous qu'elles vous donnent, que parfois elles oublient. Quand sorties à la hâte du cours de philosophie,
Elle court au milieu des fleurs et saute dans un taxi. Les attentes interminables devant les cinémas, les mains qu'on frôle sous la table dans l'arrêt salle d'un café. Mais celle que je préfère, les filles de l'hiver, quand sous l'enfume j'imagine la mer. J'aime les filles en été et leur peau salée, les rendez-vous qu'elles vous glissent sur la place délice, pour un bain de minuit sous un ciel étoilé, crème et magazine dans leur panier d'osier. J'aime les bateaux qui reviennent, les glaces à l'Italie, les baisers anisés. J'aime les filles en été, mais celle que je préfère, les filles de l'hiver, quand sous leur pure, j'imagine la mer. J'aime les filles au printemps, papillons, fleurs des champs, les rendez-vous sur les terrasses, jus de mangue, d'ananas, les balades autour des lacs, lentement, main dans la main, on va faire un tour en barque, en forêt de Saint-Germain. Un bouquet de boutons d'or sur l'hiver qui s'endort, premier rayon sur l'océan. J'aime les filles au printemps, mais celles que je préfère, les filles de l'hiver, quand sous leur pull, j'imagine la mer. Fille de l'hiver, bah dis donc, c'est bien ça, ça bouge. Sympa, hein. Ah, mais ça a dû vous changer, vous, ce rythme. Bah, c'était bien. Bah, oui et non, c'est toujours l'hiver, hein. Oh, ça c'est drôle. Hein? Je peux vous annoncer une bonne nouvelle, Pascal Lanel. Bien sûr. Vous avez enfin une voiture pour repartir. C'est pas vrai. Ah, voilà. Maintenant que j'avais presque envie de rester là, et tout ben tout voilà, ça, mais j'ai quand même une voiture pour vous pour repartir. Bon. Bon, on vous retrouve après 17h, vous restez un petit moment avec nous, Pascal Lanel, pour présenter ce nouveau disque. Tout à fait. Hein, qui marche bien, qui commence d'être en rotation, comme on dit. Ça marche très bien. Un peu partout. Puis la télé, donc on a dit tout à l'heure, Michel Drucker. Michel Drucker, la télé, bien sûr, on l'a dit. La radio, ça commence à démarrer. La presse. On refait le cirque d'hiver du 4 au 7 octobre. Voilà. Hein, qu'on se le dise. Qu'on se le dise. Une petite tournée d'été, peut-être, non ? Une petite tournée d'été, sûrement, même. Oui, quel genre de plage ? Bah, les plages, toutes les plages où il y a du sable. Bon, c'est bien. Avec les filles de l'été, là aussi. C'est rare, ça. C'est rare, hein. Et puis... un Renato, c'est rare. Hein. Mais bon, c'est Pascal Lanel qui l'a dit, quand même. Bon, et on parlera pas de tipotage. On le retrouve, Pascal Lanel, avec nous dans le Charlie Show, juste après 17h. 16h-18h, Charlie sur Sud Radio.